Je vais revenir sur le petit segment d'économie qu'a fait André Comte-Sponville. Tout en commençant par dire que vous étiez nul en économie, mais j'ai envie de dire, alors n'y mettez pas les pieds. Parce qu'effectivement, c'est consternant, pardon, hein, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je veux dire, de on va dire finir que, par quoi, en vous écoutant, messieurs, pardon, je vous interromps, qu'être de gauche, et ça, ça m'affligerait moi-même, en vous écoutant, monsieur Parchet et monsieur Bégodeau, être de gauche, aujourd'hui, ça serait avoir des certitudes. Mais non, c'est non. Affreux. Oui. Genre, je vais sortir de cette émission, moi qui suis un homme de gauche qui me revendique comme tel, déprimé. Donc, être de gauche, c'est d'avoir des certitudes, et ne pas être de gauche, c'est finalement avoir des doutes. Eh bien, je revendique l'éthique démocratique du doute, même quand on est de gauche. François, terminez votre raisonnement, s'il vous plaît. Je déteste le doute, je ne suis que dogmatisme et stalinisme. Merci de cette intervention très utile. Revenons à des choses. Votre dernière intervention me paraît particulièrement utile eu égard à votre propos précédent. Vous dites qu'un gouvernant, un président, par exemple,